sans une présence, une forte présence de réseautage comme le réseau environnemental du Nouveau-Brunswick, tous les efforts des groupes seraient plus ou moins éparpillés, puis leur faiblesse ne serait pas minimisée par les forces des autres groupes. Fait que la force du réseau, c'est de rallier les forces du mouvement environnemental ensemble. Puis je dirais pas que c'est la seule chose que le réseau fait, mais je pense que c'est la principale chose que le réseau fait. C'est ça qui est l'importance du réseau. Le réseau environnemental du Nouveau-Brunswick est vraiment intéressant pour des groupes qui s'organisent à l'intérieur d'une communauté. Comme par exemple, si on fait face à un problème dans notre communauté, que ce soit d'ordre d'agriculture ou l'exploitation forestière ou au niveau de la pollution atmosphérique ou quoi que ce soit, si on fait face à des problèmes comme ça, on a un petit groupe de personnes qui s'organisent autour de ce problème-là pour essayer de trouver des solutions. C'est tout à leur avantage de faire partie d'un réseau tel que le REMB, parce qu'à ce moment-là, ils peuvent se mettre directement en contact avec d'autres groupes qui font la même chose qu'eux ou qui touchent les mêmes problèmes qu'eux. Si je ne me trompe pas, il y a comme 75 groupes membres. Puis, donc, chaque groupe peut aussi faire partie d'un comité d'action selon l'intérêt de son groupe particulier. Donc, s'il y a un groupe, par exemple, qui s'intéresse de la surutilisation des pesticides, mais elle peut faire partie d'un groupe d'action qui s'intéresse aux pesticides. Différents groupes d'action qui existent dans le RNB, il y en a qui touchent l'éducation relative à l'environnement, il y en a d'autres qui touchent, par exemple, les forêts, l'Alliance des forêts futures, il y en a qui touchent la biotechnologie, si je ne me trompe pas. Il y a tout plein de sujets qui sont abordés par des groupes d'action. L'avantage des groupes d'action, après ça, c'est que ça met très rapidement en réseautage des gens de part et d'autre de la province qui s'intéressent au même sujet. Et ça les met très vite en contact, donc ils peuvent profiter de part et d'autre de l'expérience des différents groupes pour ne pas répéter les mêmes erreurs et aussi pour profiter des façons à amener des solutions plus positives par rapport aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans leur communauté ou à l'intérieur de leur groupe environnemental. Le réseau Nouveau-Brunswick, moi, dans l'académie ici, la majorité des personnes, on s'exprime en français. Puis des fois, il n'y a pas assez de transactions avec côté anglais. Alors, le réseau, ça se fournit un pont entre les différentes communautés linguistiques, aussi avec les autochtones. Alors, ça nous permet de savoir qu'est-ce qui se passe dans d'autres communautés à travers la province. Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes qu'on devrait faire face dans l'environnement. Puis moi, je trouve que si on va travailler tout seul, essayer de résoudre ces problèmes-là, on ne peut pas le faire. Puis moi, je vois vraiment le mandat de la réseau de regrouper, faire un genre de réseautage parmi tous ces groupes, que un groupe n'est pas suffit, mais si on a plusieurs groupes ensemble, ce qui se réunit ensemble autour de plusieurs problèmes qui nous fait face, je pense qu'on va avancer beaucoup plus que juste travailler toute seule dans un petit coin de la province. Alors, embarquez dans un groupe chez vous, puis souhaitons que ça fait déjà partie de réseau. Comme ça, on va accomplir des choses pour le mieux de tout le monde. Je pense que n'importe quelle organisation environnementale au Nouveau-Brunswick a vraiment intérêt de se joindre au réseau. Et je le dis tout simplement comme membre moi-même, que les services qui sont offerts sont très importants. Et puis, il y a également l'aspect de communauté, c'est-à-dire qu'on est capable maintenant de communiquer avec des groupes à la grandeur de la province, chose qui est vraiment difficile à faire sans un réseau tel que le RENB. Une autre source qui s'est ajoutée au RENB, que moi j'ai tendance à vraiment apprécier, c'est le
centre de ressources où on peut faire le partage d'équipements, de vidéos, d'ordinateurs, services de traduction lorsqu'on organise des conférences. Puis c'est un service qui est offert par le RUNB et personne d'autre au Nouveau-Brunswick. Puis pour notre organisation, par exemple, on en a beaucoup profité avec la production de notre série vidéo Internet, alors la caméra, etc. Puis je pense qu'aujourd'hui, les questions médiatiques sont tellement importantes. Il faut maîtriser ces nouveaux équipements, ces nouvelles techniques. Puis le centre de ressources nous permet justement de partager des équipements qui sont, reconnaissons-le, encore assez dispendieux. Alors, il faut bien partager ces choses-là. Et moi, j'ai à féliciter le RUNB pour avoir pris la peine de se pencher sur l'importance d'un tel centre. On existe comme organisme depuis 1999, on est assez jeune. La publication au courant est un outil très utile, puis on s'en sert pour rejoindre des confrères ou des consœurs qui travaillent dans le même domaine que nous autres, ou si on ne sait pas qu'est-ce qu'ils travaillent, parce que étant juste dans notre petit milieu tout le temps très occupé, on n'a pas le temps de rencontrer tout le monde, on ne connaît pas tout le monde. La publication au courant, c'est une publication qui est vraiment, qui est un outil pour nous autres, qui est très, très utile, puis qui regroupe tellement d'informations que si on ne l'avait pas, ça serait des années et des mois de recherche juste pour trouver toutes les choses qui sont là-dedans. Il faudrait que tout le monde qui travaille du côté environnement ou même qui s'intéresse à l'environnement, même pas besoin d'être un groupe qui travaille, si ça t'intéresse, tu devrais te procurer ce document-là, puis tu vas être surpris de la sorte d'informations et de la qualité des données qu'on trouve là-dedans. Mon nom est Daniel Leblanc et je suis directeur général des Sentinelles Petit-Colliac. On a été membre du réseau environnemental du Nouveau-Brunswick depuis maintenant 3 ans. Et l'une des collaborations les plus importantes qu'on a eues, c'est l'utilisation du réseau Fax Action. Et donc, le mécanisme du réseau Fax Action, en fait, c'est à nous de rédiger une lettre à l'intention d'une personne au pouvoir en particulier, dans ce cas ici le Premier ministre, et puis de bien préciser notre message, et puis le rendre accessible à une multitude de gens qui seraient aptes à venir sur notre site web, le site web du réseau, pour par la suite directement envoyer ce message à la province. Alors pour nous, ça a très bien marché. Alors en juillet 2002, nous, on avait un message assez important à communiquer au Premier ministre du Nouveau-Brunswick et le ministre de l'Environnement du Nouveau-Brunswick. Donc, on a utilisé le réseau Fax Action sur le site web du réseau environnemental. Et puis, à l'intérieur d'une semaine, on avait déjà 500 réponses qui se sont envoyées à ces bureaux-là. Alors, pour nous, ça a été un succès très important. One of the most exciting events that the NBN ever held for myself personally was the Earth Day celebration. It was a couple years ago. And it brought together the community of New Brunswick, First Nations, Francophones, Anglophones. They brought together people from the government, people from the arts. And we had this day of music, literature, art, painting, song. And we had the scientists come in and give their talks on what was what they were working on, and it was just incredible. And I think that is a perfect example of the power of the NBN to bridge the gap between the people and the environment. And that's what we need.